Les petits amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir un jeu en entier au cours de cette vidéo. C'est assez rare de pouvoir voir comme ça un jeu en entier, mais aujourd'hui, c'est bel et bien le cas. Il s'agit de 4PM. 4PM est un jeu narratif, c'est-à-dire une sorte de film dans lequel l'auteur, puisqu'il n'y a qu'un seul auteur, a implémenté quelques éléments gameplay. Le jeu a été développé par Brojan Broba, c'est un nom assez imprononçable, et il est sorti sur Steam le 10 juillet dernier pour moins de 4€. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'y jouer? Qu'est-ce que ça raconte? On va voir ça dans un instant. Oula, elle a l'air d'avoir bien mal à la tête. Je pense que la nuit a été arrosée. Elle a un petit peu abusé de la boisson, on dirait. Ou d'autres substances totalement interdites. En tout cas, je sais pas pour vous, les petits amis, moi je trouve ça extrêmement flou. Et Who's this loser? Alors, James Jackson. Ouais, donc c'est vraiment très flou et apparemment le personnage est pas très maniable. Il est aussi maniable qu'une limace de mer échouée sur la plage. C'est assez difficile de bouger. Ouais, bon, première impression assez dégueulasse. Alors généralement, quand les gens mettent plein de filtres comme ça sur l'image, c'est que les décors sont tellement à chier qu'ils se croient obligés de tout flouter, histoire de rendre le tout acceptable. Mais même comme ça, c'est pas très acceptable. D'accord, un médecin, donc certainement qu'elle est malade. Je pense en apprendre plus par la suite. Alors, j'arrive pas à lire, c'est un petit peu flou. D'accord, alcoolique anonyme. Elle a vraiment des soucis avec la boisson. Une photo, alors, soit c'est son père, soit c'est son mari. Vu qu'il est déjà assez âgé, je pense que c'est quand même son père. Breakfast today, Caroline. Pas de petit déjeuner, d'accord. Si tu prends ton litron de vin au petit déjeuner, c'est que t'as sérieusement un problème. Mais les déplacements sont dégueulasses, hein. J'ai beaucoup de mal à me déplacer. Ouah, la tronche. Non mais honnêtement, nous sommes en 2014, on n'a pas le droit de faire des personnages aussi dégueulasses. Vous savez ce que ça me rappelle? On dirait les Sims premiers du nom, il y a 12 ans de cela. C'est vraiment mal fait. Il n'y a vraiment aucun charme. Alors, c'est censé être une œuvre artistique de l'auteur, avec un bon scénario et de bons graphismes. Mais pour l'instant, je vais me répéter, mais c'est relativement dégueulasse ce que je vois. Alors, on va décrocher le portable qui est en train de vibrer. Si j'y arrive, parce que là, je n'y arrive pas. Allez. Caroline, it's Keith. Where the hell are you? It's gone 10:30 and it's clear you're not in the office. Oh, crap. I need your report and a draft of your proposal. Time to get dressed, Caroline. We talked about this, Caroline. If you're running late, it's very easy to let me know. I'm becoming more than concerned. Oula. Le message qui s'est coupé en plein milieu. Ouais, d'accord. Hey, mind if I buy you a drink? Damn, girl, you're looking good. Got some moves on you. Alors ça, là je suis en train de danser, là, les petits amis. On est d'accord que ma façon de danser est aussi ridicule que tout le reste. Je pense que si vous voyez quelqu'un danser comme ça, vous pouvez lui jeter des pommes de terre sans problème. Give me a drink. Lady, you're a mess. Seriously. Voilà. D'accord, je vais gerber. Il faut que je trouve des toilettes en urgence. Ça, c'est what the fuck quand même, ce jeu, hein, pour l'instant.
Alors il me reste 30 secondes et le personnage qui bouge toujours très très mal. Bon d'accord, elle est complètement défoncée, mais c'est pas une excuse. D'accord, j'arrive même pas à aller jusqu'aux toilettes. You okay? Oh la vache, la tronche du gars. I'm afraid I've got to go. I'm James. D'accord, c'est la carte qu'il avait en se réveillant ce matin. 11h du matin. Where to, miss? JMP Building, 4 Primrose Street. There's construction on 7. You mind if I take Union? What? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Miss? Yeah? I said if you mind if I Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Sure. Unless you don't care when you get there. Mais c'est quoi ce bruitage là? Something on dirait, on your mind, miss? On dirait qu'elle bouffe des chips. Christmas creeps up faster every year. Pourquoi la modélisation de la ville autour du taxi est vraiment dégueulasse? Not recently. Le taxi est tout aussi dégueulasse d'ailleurs. I spend it with my ex-wife these days, believe it or not. Really? Everybody's got a tradition. Oz is dinner for two, and the same fight as last year. No kids? Son. Let's just say he's not a family man. What you got planned? I used to go home. Your folks move? My mom's thinking about getting remarried after Christmas, so it's different now. I don't know. I guess for some people, holiday season is more of a holiday. New dad, huh? Ouais. Alors JMP, on est devant l'immeuble JMP. D'accord, il y a le taxi qui arrive. Okay. Here we are, JMP Building. Have a good day, miss. Ouais. Un petit freeze. Ah, ça y est. Allez à votre bureau. Ouais. Bon, pour le moment, c'est vraiment pas très intéressant. Si bien au niveau des graphismes qu'au niveau du gameplay. Thanks for joining us, Caroline. I'm sorry I wasn't here on time. It's called being late. At least be honest about what you are. Just get me the report and the proposal. Your timesheet will speak for itself at the end of the month, polar bear. What did you say? That's what you are right now, a polar bear. On very thin ice. Une heure de l'après-midi. Ok, alors je suis devant un minuscule petit portable. D'accord, je peux écrire. Qu'est-ce que je suis censé faire? Alors c'est pas facile parce que ce jeu fonctionne en QWERTY, alors que les claviers français sont en AZERTY. Les touches ne sont pas configurables. Ils n'ont pas pensé à ça en créant le jeu. Et encore, ça aurait été trop dur, je pense, de le faire. Alors je sais pas ce que je suis censé marquer, si je dois marquer quelque chose de précis ou pas. En tout cas c'est assez bizarre. Je
je peux changer d'écran, je crois. Allez, tourne-toi, s'il te plaît, tourne-toi. Voilà. D'accord. C'est un casse-brique, comme un bon vieux Arkanoid, mais oh là, le casse-brique lag. C'est une bonne idée de devoir faire un petit casse-brique comme ça sur un écran à côté. Ça peut être un élément rigolo, mais c'est très difficile de contrôler le pad en dessous. C'est très lent. La réaction se fait longtemps après que vous ayez appuyé sur la touche. En un mot, c'est dégueulasse. Non, je vais pas quitter le jeu, bien que j'en ai très envie. On va quand même continuer. Alors, ici, hop, un petit smiley. Ah, de la picole. Oui, c'est cela, oui. 2h30 de l'après-midi. I need a drink. Elle n'a pas avancé sur son boulot. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord, c'est un chargement. Sortez du bureau, d'accord. Where the hell are you going, Caroline? You think this is funny? You're the only joke around here. Tell you what, you go, have fun. Take the rest of the day off. The rest of the month. You're fired, you drunk. D'accord, je suis viré. Et je reviens dans mon bureau. Il faut que je sorte, en fait, sans me faire choper par mon patron. Donc il faut que j'opte pour une technique d'infiltration. Decisions on why he gets paid the big bucks. Personal problems. Why is everyone falling apart around here? Je vais aller petit à petit. Je vais me réfugier dans un bureau en attendant qu'il passe, puisque je pense qu'il fait des rondes. Voilà, il est en train de revenir, donc là normalement il ne me voit pas. Where the hell are you going, Caroline? You think this is funny? On a le droit de recommencer une fois. Tell you what, you go, have fun. Take the rest of the day off. The rest of the month. You're fired, you drunk. C'est bon, on a compris. Allez. On va attendre sagement qu'il passe. He's in tears. I don't care if Mr. Jackson's huddled under his desk, sucking on a pacifier, calling for his mummy. Decisions on voilà, il est passé. Il a l'air assez nerveux comme patron quand même. Hein. Peut-être que les affaires ne marchent pas aussi bien que ça. On va se cacher derrière la petite chaise verte là. Pourquoi il y a des skis? C'était des skis ça? Look, I don't want to bust your nuts. You don't want to bust my nuts. Let's put our noggins together and see what we actuate. Voilà. Et j'espère que j'ai le temps de passer la porte. J'ai aucune envie de refaire ça 5 fois de suite. Voilà, c'est bon. D'accord, encore le gars bizarre. Le toit ou le bar, que choisir? On va choisir le toit. D'accord, le gars il essaie de sauter dans le vide, de se suicider. Be careful out there! Shit. Just leave me alone. Mm-hmm. Alors,
carte d'identité. On peut la tourner. Alors, je sais pas s'il faut voir quelque chose sur la carte ou pas. Se souvenir, remember, ou faire semblant. D'accord, ce sont des choix multiples. Hey James, do you remember me? I have your business card. Rough day. Why don't you come back here so I don't need to shout? Do I remember you? Just leave me alone. I'm fine where I am. Ok, il y a un deuxième élément à récupérer sur le sol. Divorce. D'accord, un jugement de divorce. I'm sorry about that, James. But you'll be okay. You'll wake up tomorrow and do what you gotta do to make it through. I knew the papers were coming. I ruined what we had. 15 years screwed. But you didn't have to take my kids. On va être d'accord avec lui. Hein. Pour éviter qu'il saute, dans le lit tout de suite. I don't even. I always pick them up after school. This is my time. Now I don't even know where they are. Alors, admirer ou plaindre? On va l'admirer. This is beautiful, James. Did your dad give this to you? My grandfather gave me that. My father never made a dime. He was just there. But he was there, right? My dad's not around anymore. All I have is a photo that I can barely look at. I'd rather he was still alive. That he was just there. But what if people can't change? I've done so much harm. I just don't know. Une photo des enfants, children, money, children. This is a beautiful photo, James. Why don't you come and tell me about it? I don't want to. That picture's got nothing to do with you. Put that down. Leave them alone. Tell me about your family, James. What family? Don't you get it? She's gone. She's gone and my kids are gone. I've driven them away. The only one that I can't drive away is you, Caroline. What? Me? You don't even know me. I'm just telling you how important a father is to his kids. Think about that, James. Be honest with yourself. Honest with myself? Caroline, your father died in a car you were driving, and you don't even remember being there. What the fuck? Why are you here? Why is it always you? I wanted to lie to you, to save you at least. But what's the point? When are you gonna start being honest about what happened with your dad, Caroline? It's not good enough just to forget. Every drunk night, every morning after, a reset, a fresh start. I don't know how hard you'll hit your head in that crash, but every time they try to help you remember, every time you get close, you drink yourself into oblivion. You can hardly remember yesterday, but you just keep drinking. Maybe it's not a bad thing. Maybe it's a blessing. Caroline, I can never forget you. And my wife will never forget what we've done. Sometimes I wish we'd never met all those months ago. That this crazy affair never started. That I'd stopped meeting you again and again.
Il y a 5 minutes, ils ne se connaissaient pas. Il y a 5 minutes, ils se voyaient, et là, on apprend qu'ils étaient amants. I've lost my family for this. C'est pas logique du tout, cette histoire est juste illogique. That I never got old. Alors, on vend ça comme un film, comme une belle histoire, comme une œuvre artistique, mais il n'y a rien d'artistique là-dedans. But I thought I could spare you from the truth. Yet here you are. I never thought it would come to this. I don't... How long has this been... How long have I... You can't lie to someone to save them, James. And if I'm lying to myself, then so are you. I'm not important right now. Think about your children. I want to see them so much. Do you think they could forgive me? Oh, do you think ça devient chiant. You could? Et ben voilà les petits amis, le jeu est terminé. Enfin, j'ai appelé ça un jeu, mais ça ne mérite pas l'appellation de jeu. Ce truc est terminé. On a mis 20 minutes à le finir. Très franchement, le scénario a été fait par un gamin en maternelle. Les graphismes, pareil, c'est du niveau maternel. Le gameplay, c'est vraiment pas très bien jouable. Le jeu coûte 4€. C'est presque le prix d'un kebab. Et du coup, les petits amis, si vous voulez faire une vraie bonne affaire, allez vous acheter un kebab. Au moins, vous passerez du bon temps en le mangeant. Plutôt que de jouer à ce jeu, qui ne mérite absolument pas son prix. Voilà les petits amis, j'espère que, ben non, je vais pas vous demander si la vidéo vous a plu, puisque j'ai pas pris de plaisir du tout à jouer, donc je pense pas que la vidéo vous ait plu. Malgré tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous donne rendez-vous pour un autre jeu, bien meilleur j'espère, très rapidement. Prenez soin de vous les petits amis, à bientôt.